Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Une chronique taraborienne au cours de laquelle nous allons nous intéresser à ce que j'ai appelé Frankenstein. Alors Frankenstein, qu'est-ce que c'est? Eh bien, comme ceux qui me suivent le savent certainement, j'aime bien un petit peu tester des systèmes, voir ce qui me paraît perfectible, essayer des règles alternatives. Des house rules, etc. Et au bout d'un moment, sur tout ce qui va tourner autour du day-day-like, on va dire, j'ai eu envie de me dire, mais en fait, il y a tellement de hacks, tellement de possibilités maintenant de jouer à ces jeux, qu'il y a certainement peut-être la possibilité de prendre des éléments d'un peu partout et comme ça d'agglomérer et de créer une créature à la Frankenstein, pour augmenter le fun, le plaisir de jeu à la table. Alors, je me suis basé sur plusieurs jeux. Le corpus de règles de départ, ça va être celui de la cinquième édition. Voilà, parce que c'était celui que je maîtrisais le mieux à l'instant T. Et puis, j'ai été chercher comme ça, à droite, à gauche, des éléments pour le faire évoluer. Alors déjà, le premier élément qui, moi, me paraissait pas bon du tout, c'était cette course au build concernant les points de vie et le fait que systématiquement, dans les mécaniques de base du jeu, on vous propose, quand vous gagnez en puissance, en fait, d'être plus résistant face à vos adversaires en vous octroyant plus de points de vie. C'est intéressant jusqu'à un certain point où là, ça est d'ailleurs même chose pour les adversaires que vous rencontrez, ils deviennent de plus en plus résistants parce qu'ils ont de plus en plus de points de vie, en plus de leurs capacités, etc. Et c'est intéressant jusqu'à un certain point parce que très vite, ça alourdit et ça rallonge considérablement les combats. Ce que moi je trouve dommage parce que j'aime bien le côté un peu escarmouche rapide lorsqu'il s'agit de combats. Alors bien, j'ai solutionné la chose et je me suis inspiré notamment du jeu de ICRPG d'Ungrain Fairnail que j'ai récupéré il n'y a pas longtemps et qui lui d'ailleurs il insiste bien dans sa description du jeu pour dire que ce qui est intéressant c'est la zone un petit peu où les personnages sont un petit peu résistants mais on peut vite les éprouver physiquement sans avoir besoin de faire des combats d'une heure, voire plus, pour finalement, au bout du compte, arriver au même point. Donc on va démarrer déjà dans cette zone-là. Donc moi j'ai fixé la limite de points de vie à deux fois la constitution. C'est aussi une façon de redonner un peu d'intérêt à cette caractéristique qui est un peu délaissée. Si on la compare par exemple à ce que permet de faire la dextérité, bon bah là la constitution elle devient de fait un peu plus importante, et puis surtout elle permet par exemple à un magicien de faire le choix de mettre beaucoup en constitution, sinon il y a une espèce de logique dans les classes de personnages qui fait qu'un magicien mettra toujours très peu en constitution, enfin voilà, il préférera toujours booster son intelligence, sa dextérité, puis après sa sagesse pour les éventuels bonus aux sauvegardes. Enfin, son charisme pour ses interactions sociales et vraiment la dextérité arrive en bout de course, donc pas intéressant. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, en ce qui concerne la création des caractéristiques, j'aime bien le côté OSR un petit peu avec beaucoup de choses qui sont décidées par les dés, un peu comme du fait que à la naissance, on décide pas grand-chose de ce qu'on va être finalement. Je suis resté sur la base très couramment utilisée de jeter 4 à D6 et de garder les 3 meilleurs. En ce qui concerne les ajustements, on se référera à la table de D5, c'est-à-dire qu'un 15 vous donnera un plus 2, 16, 17 plus 3, 18 plus 4, etc. Enfin, vous connaissez certainement cette compétence, cette façon de procéder. Ensuite, en ce qui concerne la proficiency, que je trouve qui peut être un élément intéressant, mais qui est... comme je n'utilise pas les compétences, vous verrez, finalement, il faut la twister un peu. Donc, en fait, pour moi, la proficiency des personnages, elle ne va s'appliquer
qu'à leur bonus de base à l'attaque. Que ce soit une attaque de mêlée, une attaque par projectile ou une attaque par sort dans laquelle il faut toucher sa cible, ce qui revient à une attaque à distance en fait. Du niveau 1 à 4, tous les personnages ont plus 1, du niveau 5 à 10, plus 2, du niveau 11 à 15, plus 3, et voilà. Et ça s'arrête là, parce que je pense que les personnages ne monteront pas au-delà du niveau 15, vu que le niveau n'est pas d'un intérêt, est d'un intérêt tout à fait relatif. Donc cette proficiency, elle est, la courbe est soft, vous voyez, encore une fois, c'est voulu que la courbe soit soft. En ce qui concerne maintenant le background des personnages, étant donné que je ne vais pas utiliser de système de compétences, les backgrounds tombent un peu à l'eau, puisque les backgrounds de la cinquième vous proposent de choisir un intitulé du type criminel ou ermite, etc., et vous donnent un certain nombre de bonus dans les compétences. Et bien là, je me suis inspiré de 13e âge. J'ai trouvé très bon leur façon de gérer les backgrounds, parce que beaucoup plus sur la narration, sur l'histoire, et en plus, beaucoup plus avec un focus d'application beaucoup plus large en partie. Alors de quoi s'agit-il ? Bien, on va décider d'une première occupation du personnage, et chaque fois qu'il voudra faire quelque chose et qu'il pourra justifier auprès du maître de jeu de bah, « là je veux faire, par exemple, je vais prendre un exemple très trivial, là je veux faire un nœud, j'étais marin, donc les marins maîtrisent bien les nœuds, et bien hop, vous lui accordez un petit bonus, soit un jet d'avantage, soit un plus 1, soit un plus 2, selon la situation, au doigt mouillé à l'ancienne, façon OSR, et ça marche très bien. » Et ce qui est pas mal, c'est que plutôt d'avoir quelque chose de figé, de buildé au début, c'est au personnage, au joueur, pardon, de servir un peu de sa sagacité pour essayer de justifier, voilà. Et bien sûr, le maître de jeu tranche et lui dit non, là tu abuses. Par exemple, ta lecture des cartes est quand même très limitée. T'as été marin, mais à cette époque-là, on fonctionnait, il y a très peu de gens qui fonctionnaient avec des cartes, etc. Donc c'est limité, etc. Voilà, ça amène un peu de narration. Ensuite, concernant les sauvegardes, je suis resté sur le système de la 5e édition. J'ai un petit peu modifié les bonus, à savoir on n'utilisera pas la proficiency du personnage, mais ça revient en gros au même, hein, puisque de 1 à 4, vous avez un bonus de plus 1. Voilà. On pourrait même dire qu'il utilise la proficiency en fait. Ensuite, concernant les armes, alors là, je suis assez content parce que j'avais trouvé ça sur un forum d'un gars qui expliquait ça et je trouve ça vraiment très bon, encore une fois, en termes de simplicité de jeu et de narration. J'ai divisé les armes, et plutôt les dégâts que font les personnages en rapport avec leur classe de départ. Dans mon Frankenstein, vous avez 4 classes de personnages, les guerriers, les magiciens, les voleurs, les prêtres. Voilà, ça s'arrête là. Et en ce qui concerne les armes, eh bien c'est très simple. Bon, je vais considérer qu'un guerrier, par exemple, fait toujours ses dégâts sur la base d'un D8, qu'il utilise une dague ou une épée longue, ou une épée, quelle que soit l'arme ou une masse, quand c'est une arme à une main, il utilisera un D8. Alors je trouve ça bien, c'est de renverser un peu le paradigme qui était posé au départ dans le jeu et de dire que c'est pas tellement l'arme que l'on va utiliser qui va faire la différence, c'est surtout la capacité du personnage à la manier. Moi ça me paraît tout à fait normal qu'un gros costaud comme Conan, même s'il est à la dague, fasse plus de dégâts qu'un magicien par exemple qui aura récupéré une épée et qui sait pas trop la manier. Donc on reste sur cette logique. Ensuite, donc les magiciens font des dégâts au D4, les voleurs et les prêtres au D6 de base, avec une arme à une main, et les guerriers au D8. Ensuite, si le personnage utilise l'arme à deux mains, ou deux fois la même arme, par exemple deux dagues, un magicien qui choisirait de prendre deux dagues, eh bien il ferait, ça passe du D4 à 2D3. En fait, pour les voleurs et les clercs,
Là, je me sers un petit peu aussi des DCC. Pour les voleurs et les clercs, ils passent de 1 des 6 à 2 des 5. Les guerriers passent de 1 des 8 à 2 des 6. Et enfin, il y a encore un cran supplémentaire, c'est en cas de critique. Je trouvais les critiques un peu trop pas mortelles, et c'est pas tant le fait que ça entraînait la mort qui me gênait, c'est le fait que, bon, ça tombe, ça arrive, et ça clôt un peu rapidement la situation. Donc j'ai mis des critiques différentes, c'est-à-dire que, par exemple le magicien, j'ai un petit tableau, hein, le magicien, s'il est avec une dague à 1 des 4, quand il fait un critique, il fait un des 8. S'il est avec deux dagues et qu'il fait 2 des 3, eh ben, il fera 2 des 5. Et quand je dis dague, je me trompe, c'est donc avec arme à une main. Alors je m'aperçois que pour le background, j'ai oublié d'omettre quelque chose, c'est qu'en fait j'utilise la table de Dungeon Crawl classique pour tirer au sort l'occupation précédente du personnage. Voilà, la table elle est variée, elle marche très bien pour du Medfan et elle permet de mettre des couleurs intéressantes. En ce qui concerne le choix des armures, je suis resté sur moi une table qui me plaisait beaucoup, c'est la table de Pathfinder 1. Moi, c'est la table d'armure que je préfère. Alors là, c'est purement presque une question de couleur avec les armures de peau, les armures d'écaille. Je la trouve un peu plus fun que celle de DD5. Donc les joueurs pourront choisir leurs armures dans cette table-là et bénéficier de la protection de ces armures. Ensuite, concernant les armures, j'ai un petit système particulier qui permet de prendre en compte lorsqu'un coup touche le bouclier ou l'armure d'un personnage, et bouclier et armure octroient des points de protection. Alors comment ça se passe? Bah, tout simplement, je vais calculer le score d'esquive du personnage qui correspond à 10 plus son bonus de dextérité ou de constitution pour les si vous intégrez une sous-catégorie de guerrier barbare. Mais ça, je pense même pas le faire comme ça, on va rester sur la dextérité. Vous inscrivez ce premier score, c'est l'AC du personnage, et entre parenthèses derrière, vous rajoutez le bonus d'armure et les éventuels bonus de bouclier en précisant derrière la parenthèse, petit b, c'est qu'il a un bouclier. Ensuite, par exemple, on va prendre un cas pratique. Votre personnage, il a un score d'esquive, il a plus 2 en dextérité, il a donc un score d'esquive de 12, donc son AC sera 12. Il utilise une armure de cuir renforcé, cuir clouté. Donc, entre parenthèses, vous mettrez 14 et il n'a pas de bouclier. On va lui mettre un bouclier. On va dire que c'est un guerrier et pas un voleur. Et il utilise un bouclier qui lui donne 2 points d'armure. Il passe donc à 14 et il y a un petit B derrière la parenthèse. Donc, c'est assez un peu hermétique comme ça de prime abord, qui s'inscrit donc 12, 16, 12 parenthèses, 16 dans la parenthèse, petit B à côté, va me permettre. Lorsque je fais une attaque, enfin lorsqu'un adversaire fait une attaque, de considérer que de 0 à 11, il ne se passe rien. Ensuite, la première chose qu'on prend en compte, c'est le bouclier. 12 et 13, les 2 points de bouclier, ça signifie que l'attaquant a tapé dans le bouclier. Auquel cas, le défenseur pourra absorber des points de dégâts qui sont égaux. Alors je regarde ici sur ma petite fiche, pour les boucliers, c'est un demi, la moitié du dé d'usure. J'expliquerai après ce que sont les dés d'usure. Si vous avez compris le principe, après, si il fait 14, 15 ou 16, 14, 15, pardon, c'est dans les plus 2 de son armure de cuir, et là, son armure absorbera le bonus, c'est-à-dire qu'une armure de cuir, elle peut absorber 2 points de dégâts, etc. Une armure, une scale mail, 4 points de dégâts, une plate, etc., etc. Voilà. Et là aussi, il y aura un dé d'usure. Alors, les dés d'usure, c'est pour traduire un petit peu ce qui se passe lorsque le matériel prend des coups, lorsque votre bouclier se prend des gros coups de marteau à répétition et vous protège des dégâts. Finalement, que se passe-t-il pour lui? Il y a bien un moment, il va être abîmé, etc. Donc, les boucliers partent avec un dé d'usure au dé 10. Chaque fois qu'il est touché, qu'il absorbe dans son bouclier, que celui-ci absorbe des points de dégâts, le personnage y jette un des 10. S'il fait 1, 2 ou 3, son bouclier est endommagé et il diminue d'un cran. Son dé d'usure passe au dé 8. Vous avez compris le principe, etc., etc. Puis dé 7, dé 6, dé 5 et dé 4. J'ai rajouté encore une fois les dés de DCC, le dé 7
et le D5, qui font des crans supplémentaires. Une fois que le bouclier est au D4, déjà il faut faire un 4 pour pas que le bouclier soit hors d'état de marche, et sinon bah, le bouclier il se fend en deux, et là il faut en récupérer un autre. Parenthèse, ça évite également les personnages qui vont trouver un bouclier plus 1 au troisième scénario de la campagne et qui vont le traîner tout le scénario, ou une armure magique, etc. Pour les armures, elles démarrent au D12 pour le jet de protection, puis D10, D8, D7, D6, D5, D4. Et à chaque fois qu'elle perd un cran, la protection de l'armure diminue de 1. C'est-à-dire qu'en réalité, par exemple, une armure de cuir, quand vous allez passer, qui vous protège de 2 points dans le cuir clouté, quand vous allez passer au D10, elle ne vous protège plus qu'1 point. Après, elle va rester à ce point, on reste toujours au minimum 1 point de protection jusqu'à ce que l'armure meure. Voilà, me reste à vous parler des compétences. Alors sur les compétences, ben, c'est simple, les personnages n'ont pas de compétences. Lorsqu'ils veulent tenter quelque chose, ils me décrivent l'action, et à ce moment-là, j'évalue rapidement à quel attribut ça fait référence, type un jet d'évitement, machin, ben, ça va être la dextérité, défoncer une porte, on va dire que ça va être... La force, etc., etc. Vous avez compris le principe. Et à ce moment-là, je rajoute, le personnage va tirer sa compétence. Afin d'avoir une courbe un peu plus gaussienne, j'utilise non pas un des 20 sur les jets de compétences, mais 3 des 6. Et éventuellement, je rajoute le petit bonus de proficiency, donc plus 1, plus 2 ou plus 3 s'il est au niveau 15. Bon, c'est pas énorme, mais voilà, ça permet. Du coup, moi, après, il faut bien sûr, quand vous scriptez vos scénarios, en tenir compte et avoir quelque chose en rapport, ne pas être dans la course à l'échalote, à la Pathfinder, où quand vos joueurs prennent de la bouteille, il faut mettre des dés de réussite, des degrés de difficulté beaucoup plus forts, parce que vos personnages ont des plus 7, plus 8, plus 10, et voilà, et ça je trouve que c'est un peu ridicule, parce que c'est un peu Ouroboros, quoi, le serpent qui se mord la queue. Finalement, on augmente le degré de difficulté, on augmente les bonus des joueurs, ça ne sert à rien, ça nous fait faire de la gestion pour rien du tout. J'ai également ajouté la mécanique des jets d'effort que j'ai pris dans ICRPG. Par exemple, quand vous voulez défoncer une porte, on va considérer que la porte elle a un certain nombre de points de vie, et selon comment vous y prenez, si par exemple c'est à l'épaule, vous allez donner un coup d'épaule dans la porte et vous allez tirer un des 4 et vous enlevez ça comme point de vie. Un gros costaud qui viendrait avec sa masse, lui il utiliserait une arme, donc ce serait un des 6 plus son bonus de force pour défoncer la porte. Vous, un des 4 et le bonus de force également. Donc si la porte, c'est du bois pas très épais et qu'elle a 3 points de vie, en un round, le personnage va la fracasser. Si vous voulez faire des portes un peu plus solides, bah, peut-être que le personnage sera obligé de s'y reprendre à 2, 3 fois dans le round. Bon, bah, ça combiné avec les idées des timers, comme on l'a vu de ICRPG, comme j'en ai parlé dans une autre vidéo, vous avez tout de suite du gameplay qui apparaît dans la scène. Et voilà, c'est ça, c'est ce qui est fun en fait. En tout cas, moi personnellement, à la table, c'est ce que je recherche. Ensuite, on va en venir à la progression. À chaque niveau, selon l'une des 4 classes que vous avez prises, vous avez des progressions un peu différentes. Le guerrier, alors tout le monde va avoir plus 1 point de vie par niveau. Le guerrier, lui, en plus de ça, il va avoir plus 1 aux dégâts dans une catégorie d'armes. Alors ce que j'appelle les catégories d'armes, c'est par exemple tranchante une main, contondante une main, tranchante deux mains. Vous avez compris ce que j'appelle catégorie d'armes. Ce qui fait que petit à petit, si à chaque niveau, son petit plus 1, il vient le mettre sur la même arme, il va être spécialiste, par exemple, à l'épée longue. Hein, et au quatrième niveau, il aura plus 4 en plus de son bonus de force. Ça peut assez vite faire la différence. A contrario, s'il souhaite se diversifier, bah en fait, il va en mettre à tel niveau, il va mettre plus 1 en tranchant une main, à tel autre niveau, il va mettre plus 1 en contondant à une autre main, etc., etc. Sachant qu'il n'y a pas de limitation dans l'utilisation des armes.
On n'est plus du tout dans le concept de dire ah ben, le magicien, il peut utiliser que des dagues, des fléchettes. Non, non. Là, moi, dans mon hack, le magicien peut très bien choisir d'avoir une épée à deux mains, donc avec laquelle il fera 2d3 de dégâts, plus son bonus de force. Je continue sur la progression des niveaux. Les voleurs, eux, ils auront plus de hauts dégâts sur leur attaque sournoise, ou au choix. Et à chaque niveau, ils pourront refaire ce choix, plus 1 avec une arme spécifique. La base de dégâts de l'attaque sournoise est de 1d6. Et les voleurs bénéficient d'un bonus donc de plus 1 par niveau. Donc là, premier niveau, 1d6 plus 1. Au deuxième niveau, soit ce sera 1d6 plus 2, et le voleur peut aller se remettre un point encore en plus sur son attaque sournoise pour passer à 1d6 plus 3. Les voleurs bénéficient également d'un bonus de plus 1 par niveau à leur sauvegarde de dextérité lorsqu'ils tentent un désengagement. Car j'ai fait cette petite modif, les manœuvres de désengagement ne sont pas automatiques. Les manœuvres de désengagement nécessitent un petit jet de dextérité, un petit jet d'esquive, d'évitement. Si vous le ratez, vous prenez une attaque d'opportunité. Voilà, parce que je trouvais que c'était trop automatique, le désengagement. Les prêtres maintenant. Alors, les prêtres, ils débutent avec un sort de domaine accordé par leur divinité qu'ils peuvent lancer sans perte de points d'énergie. Je vous expliquerai juste après le petit système de points d'énergie magique que j'ai mis au point. Les sorts de soins ne sont jamais des sorts de domaine. Je ne considère pas les prêtres comme des soigneurs. Moi, j'ai une vision du prêtre plutôt comme étant un guerrier qui a mis ses capacités martiales au service d'une divinité. Le concept du soigneur, très pratique pour redonner des points de vie à la troupe, mais un peu capillotracté, on va dire. Donc, on le joue comme ça, le prêtre. Donc, lui, le prêtre, vous disais-je, à chaque niveau, il va regagner donc un sort de domaine au niveau 3, un autre au niveau 6, un autre au niveau 9. Ces sorts ne lui coûtent rien, contrairement aux autres sorts, où je vais vous l'expliquer après vous avoir décrit la progression du magicien, ce qu'il en coûte de maîtriser la magie et de jeter des sorts. Les magiciens, quant à eux, peuvent utiliser... le petit bonus qu'ils ont, c'est de pouvoir utiliser les objets magiques chargés avec des sorts d'arcane sans avoir à tirer un test d'intelligence. Oui, j'ouvre l'utilisation des objets magiques à toutes les classes parce que je trouve ça un peu désolant d'avoir une troupe où il y a deux voleurs et un guerrier qui trouvent dans un coffre, par exemple, ou chez quelqu'un, un sceptre ou une baguette magique et qu'ils ne peuvent pas l'utiliser. Je trouve que c'est vraiment dommage. Donc là, ils peuvent l'utiliser, mais un petit jet d'intelligence. En cas de fumble, il peut leur arriver des bricoles, etc. Je suis en train de retravailler un peu là-dessus, voir ce que je vais pouvoir proposer. Venons-en donc à la magie. La magie, donc, telle que je l'ai conçue, elle est un peu différente. Je vais considérer que chaque jeteur de sorts possède une réserve magique, son score de RM, qui est de 3 points par niveau, c'est-à-dire 3 points au premier niveau, 6 au deuxième, etc. etc. Pour ce qui concerne l'acquisition des sorts et la préparation, on reste sur les règles de la 5e édition. Et puis ensuite, les sorts ont un coût. C'est-à-dire que le coût, c'est lorsque le magicien jette le sort, si c'est un cantrip, par exemple, il prendra un des 3 points de dégâts dans sa réserve magique, voilà, qui seront défalqués. Pour un sort, ce sera 1 des 4 plus 1 par niveau et il aura droit à une sauvegarde. Alors, la sauvegarde, ça permet de diminuer les dégâts d'énergie magique que prend le magicien. Elle est quand même assez haute, elle est de 17 plus le niveau du sort. Et le magicien peut utiliser son bonus de compétences magique, c'est-à-dire que si c'est un magicien, ce sera l'intelligence, si c'est un clerc, ce sera la sagesse. Donc ça, c'est pas mal, parce que au premier niveau, votre personnage arrive, il a pris un cantrip d'attaque, il a utilisé une fois son cantrip d'attaque, on va tirer un des 3, s'il fait 1, il avait 3 points de réserve magique, pouf, il en a plus que 2. La deuxième fois, il va réutiliser son cantrip d'attaque, il va tirer un des 3, il fait 3, s'il dépasse, donc hop, il arrive au bout de sa réserve magique et après, c'est des points de vie qu'il perd.
Donc, assez intéressant, puisque les jeteurs de sorts n'ont pas de limite, ils n'ont pas des slots. Ils peuvent jeter leur sort préparé, ils peuvent en jeter autant qu'ils veulent, sachant que petit à petit, et ben, à un moment, il y a des sacrifices en termes de points de vie, hein, puisque je tendance à considérer que les points de vie, c'est pas que le physique, c'est un peu la réserve d'énergie vitale du personnage, et donc, ben, quand il utilise la magie, ça le fatigue énormément, et donc petit à petit, cette réserve s'amenuise. Donc voilà le principe de base. Ça permet d'avoir des magiciens et des jeteurs de sorts plus dans l'action, et puis d'éviter le grobillisme avec des magiciens de niveau 7 qui auraient des tonnes et des tonnes qui peuvent jeter des sorts. Voilà, ça devient presque ingérable la partie à ce niveau-là. Voilà, j'ai adjoint donc la mécanique des forges, j'en ai parlé. Donc je crois que voilà, j'ai fait un premier tour d'horizon de ce petit Frankenstein et de ce que ça sous-entend. Alors je vais playtester ça très prochainement dans ma campagne, puisqu'il y a eu un twitch de personnage, il y a un nouveau personnage qui va rentrer, justement qui sera magicien, et lui sera buildé sur cette. Sur cet axe-là de hack, on va voir un petit peu, voilà, c'est histoire de tester un peu sur un joueur, voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, à ce moment-là, je pense que lors d'une montée de niveau des autres personnages, je les ferai tous switcher dans ce sens. Voilà. Moi, ça me paraît un bon compromis entre l'OSR pur et dur, que je trouve un peu limitatif sur la campagne, dans l'optique de développer un personnage sur la longueur dans une histoire. Et puis la cinquième édition, où j'ai vraiment de plus en plus de mal avec les dons. Je trouve que ça ralentit le jeu, je trouve que les joueurs, ils en sont à faire de la gestion, etc. Et enfin, c'est pas ce que j'aime mettre en scène à ma table, c'est très répétitif. En plus, souvent, ils ont des coups, des moves gagnants. Ils utilisent tout le temps le même move. Vous voyez, je joue un barbare pour que systématiquement, en début de combat, le gars vous se mette en rage. Bah, voilà, non, ça m'intéresse pas. Je trouve qu'il y a mieux à faire sur l'ensemble de la campagne du scénario et du roleplay. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.